Yo, bonsoir à tous et à toutes. Depuis ma cuisine, hein, regardez, hein, la cuisine est grande. Mais j'ai mis une chaise, hein, j'ai ma soeur pour parler du problème aujourd'hui. Ok, tranquille. Le grand mercredi en action, je vous salue. Vous voyez le problème avec les femmes? C'est que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Le problème avec les femmes, c'est que vous parlez trop pour ne rien dire vers la fin. Une femme parle jusqu'à vers la fin, là, elle revient à ce qu'elle-même n'avait pas dit au départ. Vous parlez trop pour rien. Aujourd'hui, là, hein, aujourd'hui, là, c'est à vous les femmes que je parle. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'entre nos garçons, on s'entraide. On se dit des choses. On se parle. À chaque fois qu'un garçon va le torpiller un gars sur une autre go, c'est peut-être parce qu'il est il est en compétition avec le gars. Il veut la go. Ouais, non. Mais si on est amis, là, jamais un gars va les tromper, va les dire des choses de son gars à une autre go. Impossible. On ne va pas faire ça. On se connaît un gars. Même si le gars te trompe. Même si le gars te trompe, là, hein, tu vas lui demander, est-ce que ton ami te trompe? Il va dire non. C'est faux. Il va te dire non. Tu vas lui demander à l'ami de ton gars si ton gars te trompe. Tu ne peux pas. Il va te dire non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'en tant que garçon, on est né avec, c'est comme si c'était des règles. Je vais t'expliquer l'histoire tout de suite. Faut t'asseoir, hein? Faut même pas bouger. Avant de commencer, j'aimerais quand même saluer les frères qui sont au Cameroun. Tu vois, non? J'ai une amie qui est allée au Cameroun cette année, en vacances, elle a trouvé des gars là-bas. Comme elle est arrivée, des têtes, on lui demandait, est-ce que tu connais le grand maître? Elle dit, ouais, je connais bien le grand maître, tout ça. Elle m'a écrit pour me dire qu'il y a trop de fans là-bas, les gars sont forts de moi, ça allait déjà. Et que non. Les gars, demain, j'aimerais faire le shout-out à tous mes gars au Cameroun. J'ai pris quelques noms, donc je vais vous faire un shout-out, les gars, je ne vais pas vous oublier. Donc, depuis Douala, je salue mon gars Jerry Momo, calé là-bas, Harold Nunga, je te salue. Et puis, depuis Libreville, hein, Libreville, salut Gaël Padonou. Donc, Gaël Padonou, je te salue. Aude Kumba, et puis Becky Diamond, je vais vous faire le shout-out, le grand mec en action, you already know. Donc, voici ça qui est là. Donc, pour revenir au truc. Merci de me supporter, hein, franchement, merci de me supporter. Tout ce que vous faites pour moi depuis le Cameroun, je vous salue, le grand maître, depuis Boston City. Finalement, moi, les caméras, j'ai pas de problème. Bref, donc, arrêtez de vous mêler l'histoire de Go, l'histoire de gars et ta camarade. Vous les filles, vous parlez trop. La Go est fan du gars. Tu sais comment la Go est fan du gars? Tu sais comment il la baise? Tu sais pas comment il la baise? Vous faites en sorte que la Go se retourne dans des problèmes parce à cause de vous. Quand une gouverne t'expliquait un problème, ça ne veut pas dire que elle est plus fond de son gars. C'est-à-dire qu'au moins elle t'explique le problème là, elle est fâchée. Mais les gens, pour laisser le gars là, quitte là. Toi tu es là même en on te dit ça, tu es bête ou bien? Une histoire pour rentrer dans le truc, pour que vous compreniez la chose. Il y a peut-être 3 ans de cela, mais 4 ans, je sais plus quoi. Il y a ma petite go tranquille, chic chic. Tranquille hein. Ma petite go, on était à la maison. Donc vers midi, il est parti au travail. On a fait un petit palabre, hein. Et j'ai parti au travail. Sur le palabre. Pour moi, quand il est rentré, il a eu l'histoire, il dit non, chérie, ça va, faut damer du palabre, je m'excuse. Pour moi, c'était ça, hein. Il a payé un petit cadeau, même eux, ils ont retourné, fait un petit truc, ils vont pas à la maison, tu vois, non. Ils viennent dans la douche, ils mettent une petite bougie, ils viennent à la petite, ah non, c'est lavé, ils tiennent la lumière, tu allumes la bougie. L'eau est bien dans la baignoire, vous êtes couché, petit truc au matin, tu l'embrasses, elle couché dans la baignoire, bouger à côté. Il est pensé à mon ken, quoi, tu vois. Malheureusement pour moi, j'ai un de mes amis, Aïssa Go, qui me connaissent bien, ils connaissent bien ma Go, qui sont passés à la maison. Ils n'étaient pas là, hein, ils étaient au travail. Ils sont passés à la maison. Genre, Franky, elle a dit non, Franky, il est au travail, tout ça. Ils sont s'assoient mal à Go, il y a quoi? Là, elle a commencé à pleurer. Non, on a fait un petit pas là, on dit mais il y a quoi, elle commence à expliquer. Et les femmes, elles aiment rentrer dans les trucs, elles augmentent les détails pour faire ça gros, grand. Là, on commence à pleurer. Commence à parler. Voilà les gars, ça commence à parler. La fille, la go de mon gars, commence à dire que non, c'est pas bon, c'est pas normal. Que comment Franck peut faire des trucs comme ça, comment il est pas connu comme ça. Elle commence à argumenter la chose. Au lieu de m'appeler pour me dire, Franck, c'est comment? J'ai entendu un truc, c'est pas toi. Tu vois, non? Au lieu de dire ça, non, elle n'a pas dit ça. Comment ça a grandi la chose? Voilà, maintenant, ma gauche, son cœur est chaud. Plus que son cœur, c'est chaud. Les deux, là, sont chauds. Ils vont brûler ma maison. Ils sont là. Chaleur dans chaleur, ils vont brûler ma maison.
Mon gars m'a texté sur le côté et me dit Tio, il y a Drassi dans la maison ici. Tu vois, non? Les garçons. Il m'a dit Tio, il y a Drassi dans la maison ici. Que ta goût m'a parlé ici. Oh, 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 là, maintenant ma goût aussi en feu. Que, ah, Dieu m'a fait comment? Donc il les suit. Mais Dieu a Drassi toi ici. J'ai dit, attends. Tu peux pas attendre 8 heures de temps qu'elle finisse de travailler pour arriver avant qu'on passe nos petits palabres à la maison? Commencer à parler, que la goa a dit que, ah, en tout cas, elle, demain, elle s'en va. Prends ses affaires, elle s'en va. Qu'elle est pas dedans. Et d'ailleurs, elle a fait ses bagages, qu'elle arrive, non, elle s'en va. Il a mon gars, il dit, faut manager la petite, n'a qu'à rester. Commencer à manger la petite. Il arrive à la maison, 23 heures. Malheureusement pour eux, ils ont eu un problème avec la voiture. Donc, ils ne peuvent même pas partir chez eux. Donc, elle leur a offert hospitalité, donc elle a dormi à la maison. Et maintenant, c'est bien, mais on va rester là, non, ma copine, pour damer, on reste chez toi. Que non, les gars, là, c'est pas bien. Qu'il va venir moi lui parler 2-4-5, carreau. Tu peux les affaires, tu t'en vas avec nous. Tu respectes lui, tout. Il s'est arrivé à la maison. Serré. Ici, Serré arrive. Salut, les gars, c'est comment vous allez bien, dépose mon sac, tout ça. Les gars, ouais, c'est. Il m'assoit. À la gauche, se lève, elle s'en va se coucher au salon. Je ne dors pas à la chambre, aujourd'hui, hein. Au salon, prend un drap, met sur elle, ferme sa tête, les gars me prennent sur le côté, dans la salle à manger. Commence à bavarder. La goût m'en a parlé, comment tu peux faire ça, Franck? Que non, la goût a dit ça. C'est ce qu'il dit, les gars. Allez-y, vous couchez. Comment ça veut dire, les gars? Parce que j'ai pas besoin de raconter qu'il n'est pas chez moi à la maison. Pourquoi les femmes aiment faire ça? Il dit, là, les gars, allez-y, vous couchez. Je connais ma chose. La goût a parlé. Parler que la vie la putain quand me laisser, qu'elle dit qu'on ne pas payer, mais arrêtez. Comment toi tu es mon ami, tu peux dire à ma go de me laisser de partir? C'est impossible. Laisse-moi prendre la décision, laisse la go même me dire pour la me dire ça va. Vous allez mettre vos bouches dans tout dire, regarde. Tu sais pas comment il est vrai que la petite. Tu sais pas l'histoire qui est entre nous. Vous parlez comme ça pour rien. Vraiment pas qu'ils ont me bloquer, il dit laissez, allez-y chez. Allez dormir. Mon gars me prend de côté. Il dit, Joe, il faut manager la petite. Il dit à mon gars, allez, frère. On est garçon. Tu vois, non? Je sais comment il a breaké ma petite. Il faut partir te coucher. Tu vas voir. C'est ma femme. C'est femme. Va te coucher. Mon gars va te coucher pour la petite chérie, ça va? Tu vas bien? Allons te coucher. La petite, c'est pas là, elle parle. Qu'est-ce que tu parles? Elle parle, moi je serai. Elle dit, ma petite, ça va bébé? Allons se coucher. Elle voulait faire, non, il y a moi, je ne vais pas parler. Il dit, bébé, allons se coucher. Et puis, c'est parti. Bébé, chérie, comment? Viens, allons-y. Quand elle est partie, elle dit, je suis dans la chambre, je t'attends, chérie. C'est parti, mais se coucher. Elle a fait petit malin en bas, un peu. Elle est montée. Elle me trouve. Kelly, elle s'est couchée. Elle était couchée, il dit viens. Viens comme ça. Viens dans mes bras, Dieu. C'est pas pour dormir, viens. Les garçons qui écoutent, ils ont des histoires derrière ce qui s'est passé. La vie de coucher, qu'est-ce qu'elle est rentrée dans mes bras comme ça, elle a attrapé comme ça là. 5 minutes plus tard, la maison bouge. Mougou la petite pour 2000. Quand tu mougou bien, il dit, je vous dis, les gars, quand vous prenez vos go, mougou c'est les propres. Ne la tolère même pas. Les histoires de non, bébé, je veux que tu me fasses l'amour. Ça, c'est les paroles, elles parlent. Tu vois, non? Au départ, tu fais amour. 5 minutes, tu te retrogardes. Et puis, tu l'as moukou. Quand tu l'as moukou propre, là, une fois que tu fais bien la chose, là, quand tu réveilles, tu prépares les repas que tu n'as pas vu, ça fait longtemps. Que tu parles de quelque chose. Tu dis, moukou, la petite, non? Matin, tu réveilles à faire womi, des crêpes. Crêpes, Nutella. Le gars, il est venu. On fait des crêpes, tellement il ne sait pas. Elle a fait des crêpes. Womi, il y a longtemps il a vu Womi. Womi, il y a longtemps il a vu. Ça va faire au moins 12 ans. Il n'a pas vu Womi. Avec Womi. Bien, petit déjeuner, Womi. Mon gars était fier ici de son édit. Voilà. Quand on vous dit, de vous taire, elle vient demander à petite, mais c'est comment? Ce matin, on s'en va. Elle dit, non, je n'ai pas envie de partir. Tu sais, Franck, c'est comme ça, il est. Bon, tu sais, c'est un petit par rapport à fait. Ici, la vie, moi, ici, là, moi, c'est. Elle a honte. Arrêtez de vous mêler l'histoire des gens. Tu vas avoir honte toi seul. C'est son gars. Elle sait comment elle aime. Elle sait ce qu'il lui montre. Elle sait pourquoi elle répond du gars. C'est le gars qui vient la breaker. Il y a la femme qui parle pour rien. Je connais le gars, non. Elle voit le gars, elle dit le gars est vilain. Elle va jamais sortir avec le gars.
Tout parce que vous et camarades autour de vous êtes en train de parler pour dire que le gars ne vient pas sortir lui-là. Lui, il veut quoi? Il te veut quoi? La voix est fin, hein? Mais elle ne peut pas sortir avec le gars parce que ses camarades sont en train de parler. Jusqu'à tu vas entendre, hein, que le gars là, elle a mougou. Pourquoi vous pensez que des jolies filles, tout est des vilains gars? Pourquoi? Elle est forte! Tu sais comment le gars la break? Non! Au contraire, en allant mettre ta bouche dans l'histoire du gars, vers la fin, la go, elle veut se remettre avec son gars, c'est pas comment elle va faire. Parce que vos bouches sont dedans. Et puis même pire, ma petite, si tu m'écoutes, n'écoute pas tes amis. Parce que quand tu as cassé avec le gars, plus tard, quand tu vas revoir le gars là, c'est toi qui es fin, non? C'est toi qui es fin. Quand tu vas revoir le gars là, tu seras pas encore. Mais soit le gars est devant. Si le gars est devant, il a déjà trouvé une autre go, tu as fait quoi? T'es quand on te dit quoi? Tu penses qu'on te dit que non, Gio, non, faut laisser tomber. Non, avant on te dit, Gio, moi t'es Dio. Moi, t'es pas de laisser tomber le gars, il t'a dit, il était fâché un peu. C'est toi qui a laissé tomber le gars, moi t'es pas de laisser tomber. Et puis tu seras en train de discuter avec le gars. Alors que. Ça sert à rien. C'est pas elle, il baise. Elle, son gars est là. Son gars, elle, son gars, qu'elle aime, il est là. Toi, ton gars est où? Pourquoi tu écoutes tes camarades? Pourquoi tu te mets dans les choses? Nous, les gars, on fait pas ça. Nous, les garçons, entre nous, il dit, si on allait dire à notre gars quelque chose sur sa go, c'est que Dieu, on a vu ta go, elle est en train de te tromper. Fais attention. Ou bien, il y a un gars qui est en train de draguer ta go. C'est tout. Si le gars vient d'exprimer un problème sur sa go, on va jamais dire au gars, Dieu. Faut casser avec. Et surtout qu'on sait que. Nous les gars là. On, oh, si on dit à un gars pour casser avec la gueule, c'est que. Il y a un danger quelque part. Je sais pas comment t'expliquer quoi. Mais c'est une règle de garçon. C'est une règle de garçon quoi. Parce qu'on se dit que. Même si. Il doit casser avec la gueule, il faut continuer. Il faut qu'il continue de la baiser un peu quand même sur les côtés. Tu vois, on est là. Tu vois. Donc on a pas envie de dire baiser la gueule. On dit qu'il faut chancer un peu. Faire doucement, doucement. Tu les cartes un peu. Et puis tu mets Caroline. Tu vois, un peu de cartes. Mais il faut la gérer. Tu vois, non? Les garçons vont te dire ça. Mais les papes sont toujours en train de parler. Elle est assise là. Occupe de ton business. Elle parle, 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 parle. Elle parle, 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 parle. Elle dit, il a tapé la petite, non? Que c'est le mon non? Matin, elle est réveillée, elle a fait les cahiers. À 7h du matin, il voit les cahiers dégueu. J'ai dit yes, il y a longtemps, il a vu ça là. Ah! Tu sais comment la gola sort son gars? Tu sais ce que le gars lui donne? Tu sais ce que le gars lui donne? Tu sais ce qu'elle voit dans la chambre, la grosse pine, on lui a donné la trapèze d'André Oscar. Comme ça. Ah! Ah! Seigneur! I want to thank God! Merci à tous mes fans, ceux qui m'ont supporté pour cet Oscar. Tu sais ce qu'elle lui donne? Demain, tout ça là, il va la laisser, il va aller prendre quelqu'un d'autre. Et puis elle sera là, elle aura mal. Arrête de te mettre l'histoire des gens. Arrêtez, les filles, arrêtez. Arrêtez. Mind your business. Mind your business. Si elle va en boîte, quelqu'un la drague, et puis, laisse le gars la draguer. Elle va dire non, elle a la bouche, non? Elle va dire non, elle veut pas. Elle va dire non, elle veut pas. Si le gars dit chérie, tu viens avec moi, on va à la maison. Si elle veut pas, là-bas, elle veut pas. Elle va dire au gars, elle veut pas. Souvent, elle a envie de rentrer avec nous. À cause de toi, on prend la go, on la fait sortir. Tu es là. À cause de toi, on ne peut pas la prendre pour rentrer. Elle veut rentrer avec nous, mais parce que tu es là, on ne peut pas la faire rentrer avec nous. Elle dit non, je ne veux pas laisser ma camarade. Bon, elle ne va pas vouloir me laisser partir. Alors qu'elle veut venir. À cause de toi, à cause de vous, on ne peut pas rentrer avec nous. C'est quoi? Tu sais ce qu'on lui donne? Tu sais les womis, les dégâts qu'elle prépare matin, quand tu n'es pas là, vers la fin, quand tu te mets dans ton histoire jusqu'à quand tu te mêles l'histoire de ta camarade, vers la fin c'est toi qui as honte. Parce que tu as mis ta bouche dedans, ils ont fait parler, ils ont cassé, après ils sont remis ensemble, et puis tu es là, tu as honte, tu es obligé de dire que tu ne parles pas à elle. Les histoires de go c'est toujours comme ça. Demandez à Rihanna et puis Chris Brown. Tout le monde a parlé. Jusqu'à Jay-Z a dit, il ne veut même pas voir Chris Brown. Si Chris Brown vient aux awards, lui vient pas. Ils ont laissé Chris Brown de côté, lui il est venu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On avait un billet d'avion à Chris Brown, il dit qu'il va passer sans Rihanna. Non. Il a mougou à Babi. Elle s'est réveillée matin, elle a fait sans grève. Je vous jure, voilà, là, ma mec là. Hé hey! Qui parle aujourd'hui? On dit non, les gens ont refusé que Rihanna voit le bébé de Beyoncé. C'est la honte, c'est tout. C'est la honte, la voix est forte. Elle est forte. Elle s'est réveillée, elle a fait maïs brisé. On a vu ça à Bigot. De quoi tu parles? Ah bon, ah bah bien. Puis ça, le grand maître. One.